Thank you.
Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30. Nous disons la parole du Seigneur. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi, je garde confiance. Digne d'être glorifié, toi le maître ici, ô Dieu dans les cieux, nous te sommes pour reconnaissance ce matin, pour ta présence glorieuse et précieuse pour moi, celle qui transforme réellement aussi le corps et que le soi. Seigneur, nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu fais ton travail dans chacun de nos frères. Puis-tu aimer encore davantage pour m'être afin que ce cœur et ce corps te soient donnés, Père. Ô Dieu, que l'âme et l'esprit soient aussi soumis à ta pleine volonté à toi, Père. Ce matin, nous voulons te dire encore combien nous sommes heureux de pouvoir t'avoir avec nous, Père. Heureux de pouvoir avoir ces dieux merveilleux, ces dieux glorieux, ces dieux tout-puissants. Oui, qui est dans la colère de riche en bonté, Seigneur. Nous sommes approchés de toi, notre Dieu, sachant que tu es le Dieu qui entend aussi les prières, mon bien-aimé. Le Dieu aussi qui désire aussi que son peuple puisse s'approcher de lui, Père. Nous nous sommes approchés de toi. C'est dans ta volonté, mon bien-aimé, traduisant. Là, nous avons failli, notre Dieu, qui est encore notre parler et mon roi. Et ce matin, nous avons tellement soif de toi. Ce Dieu vivant nous sera pour qu'il puisse encore être vrai dans chacun de nos frères. Oh, nous sommes bien souvent des saintes de bénédictes. Oh, nos yeux sont fixés, et certainement sur toi, Père. Toi qui opères encore des prunes, ne me pas du sang. Toi qui es le Dieu qui dit la solitude, ne me pas saint. Seigneur, tu es le merveilleux qui agit encore aujourd'hui, Père. Ta puissance n'a pas changé, Seigneur. Et ton autorité n'a pas diminué, mon bien aimé saint. Tu es vraiment les terreurs comme l'Écriture dit, Seigneur. Et nous croyons en toi. Nous ne sommes pas bénis, Père Saint. Et ce matin, nos cœurs sont devant toi. Puissions encore opérer, bénis, Père Dieu. Puissions encore agir, encore mon roi. Puissions encore guérir, mon bien-aimé, Père Saint. Puissions encore délivrer mon roi. Puissions encore changer la vie des hommes et des hommes, Père Dieu. Sauver les permis, mon bien-aimé, Père Saint. Ramener les condamnés à toi, mon bien-aimé, Père. Par ton droit puissant, mon sauveur. Tu es vraiment bon aujourd'hui. Merci pour les chants et les cantiques, mon sauveur, bénis, Père. Merci pour l'adoration. Merci encore pour le cœur. T'as chanté, qui t'a aimé encore ce matin, Seigneur. Je suis reçu encore dans ta présence glorieuse, mon roi. Nous sommes heureux d'être là, d'être rassemblés en ton nom. Et de réaliser aussi combien tu travailles en unité, mon bénévole Père Saint. Merci pour les chants et cantiques, mon bénévole. Merci pour les psaumes, mon bénévole Père Dieu. Tu as réellement élevé ton Père, mon bénévole Père Dieu. Que nos grâces pour pouvoir t'avoir encore aujourd'hui.
Louange et honneur à toi. Oh, béni soit ton Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont là comme au thé, aussi à ton Église ce matin, qui soit béni, Père. Oh, nous te remercions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un jour merveilleux et glorieux de ce que nous pouvons nous retrouver en ces jours. C'est ces jours aussi où nous pouvons aussi donner encore plus du temps à notre Dieu. Amen. Parce que nous vivons que pour cela. Amen. Dimanche est un jour où nous voulons mettre tout de côté. Amen. Ne pas regarder au temps qui passe, mais simplement à nos cœurs qui doivent se tourner vers le Seigneur. Amen. Nous voulons que le Seigneur nous aide, et c'est vrai, c'est pour ça que nous sommes sur cette terre, c'est de pouvoir lui servir, et lui donner ce qu'il attend de nous. Et lorsqu'il nous apporte, nous accorde la possibilité de pouvoir avoir un jour où nous pouvons réellement aussi lui exprimer notre amour et notre cœur et la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est pour nous. Alors nous le faisons vraiment de tout notre cœur. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse se réjouir aussi de voir que nous lui donnons ce qu'il attend de nous. Il faut que nous puissions vraiment disposer de ce temps pour lui, afin que lui aussi puisse aussi trouver le plaisir de pouvoir nous parler, non seulement nous parler, mais aussi agir aussi dans chacun de nous. Nous avons besoin de pouvoir avoir cette membre qui vient, qui agit réellement dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, et nous puissions vraiment obtenir auprès du Seigneur ce dont nous avons réellement besoin. Ce que nous voulons de lui, c'est de plus en plus lui dans notre vie. Et lui puisse réellement nous remplir. Alors si il devient réellement l'objet de notre cœur, alors nous lui donnerons assez de temps qu'il faudra pour que le Seigneur aussi puisse réellement voir l'amour que nous lui témoignons dans notre vie de tous les jours et aussi dans notre marche. Quand le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir trouver un jour où nous pouvons être rassemblés, nous saisissons l'occasion qui nous est donnée pour que nous puissions aussi répandre nos âmes devant lui. Amen. Et lui dire aussi combien nous l'aimons. Amen. En lui exprimant cela au travers des chants et des cantiques. Amen. Et vous savez, à l'extérieur, nous sommes tristes par des situations que nous pouvons rencontrer. Mais quand nous entrons, Amen. Nous sommes heureux. Amen. Parce que nous savons que lorsque nous entrons, eh bien, nous sommes dans le lieu que Dieu a voulu que nous soyons. Amen. Et quand nous allons sortir, nous sortirons avec des solutions à tous nos problèmes. Amen. Nous nous réjouissons de ce que nous avons, vraiment, nous, cette grâce de pouvoir savoir que nous pouvons aller quelque part. Et là, nous pouvons déposer ce que nous avons et sortir avec un cœur léger. Amen. Et sachant qu'effectivement, que je me suis tenu dans sa présence, je lui ai dit ce que j'avais, je me suis vraiment réjoui en lui aussi, et j'ai imploré sa grâce, il a entendu. Amen. Et comme il a fait la promesse dans les Saintes Écritures, il est notre secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Amen. Et ça, nous en sommes certains que ce secours-là, c'est pour nous. Amen. Et il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement réaliser que, puisqu'il vit, nous vivons également aussi. Amen. Nous avançons dans un temps, nous avançons dans la marche, effectivement, nous devons être certains que nous avançons avec lui. Et comme David le disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Je dis ça parce que souvent, le nouvel an, les gens viennent, ils sont souvent pressés de pouvoir vouloir rentrer. Comme l'autre dit, mais à quelle heure vous allez terminer, à quelle heure vous allez commencer? J'ai dit, certainement, on termine parfois vers 12h30. C'est ce que nous avons eu à pouvoir dire. Mais c'est parfois difficile de pouvoir rester à 12h30. Parce que quand vous entrez dans la maison du Seigneur, il y a une joie qui vous attend. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes dans sa présence, vous ne regardez plus autant. Amen. C'est pour ça que nous invitons à ceux qui viennent, même pour la première fois, parfois, pour dire, mais c'est long, c'est long, c'est vrai, ça paraît long, humainement, mais pour nous, c'est très cool. Amen. Amen. Si vous êtes chez vous à la maison et qu'on vous met la télévision avec un film de 8 heures de temps, vous ne direz pas c'est long. Amen. Vous apprécierez ça. Alors, quand nous venons dans un lieu comme ça, il ne faut pas qu'on mette la pression. Amen. Il faut qu'on soit vraiment à l'aise. C'est comme quand vous allez dans les palais du roi. Vous n'allez pas dire, bon, monsieur le roi, il faut vite, vite mettre. Non, non, non.
Vous attendez jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. Amen. Vous avez la patience. Pour les choses tout à fait futiles, on peut y passer 10 heures de temps. Et quand on entre dans les choses qui concernent réellement notre destination et notre préparation, on doit donner du temps au Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent avec l'horloge. Parce qu'on peut bien dire, recommencer, on commence à 10h30, frère Christian, tu fais les cantiques jusqu'à 10h, 11h moins le quart. Si on fait cela, vous allez chanter vraiment? Non. Il va se sentir lié. Parce qu'il faut que le cœur et l'âme s'expriment. Amen. C'est pas un jour de travail. Demain, vous voyez, c'est vrai que demain, mais aujourd'hui, c'est un jour depuis le matin jusqu'au soir. Vous êtes libre. Alors, le cœur doit trouver en fait un temps comme ceci pour se libérer. Seigneur, je suis dans ta maison. Amen. La journée, je suis là devant un professeur, je le respecte, je suis ici, il me dit de faire 24 heures dans son cours, je vais respecter. Et là, je me sens dans ta maison. Alléluia. Laisse-moi t'exprimer. Amen. L'espèce dehors, la tension dehors. Je veux me sentir à l'aise dans ta maison. Frère et soeur, ça nous devons, Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'ai prié pour vous qui êtes peut-être venus pour la première fois, ou bien disons, mais je ne sais pas si vous êtes là ou même en commission. Je veux que vous donniez du temps au Seigneur. Laissez le stress. C'est d'abord, c'est d'ailleurs le stress en fait, de tension de voir qui fait que nous avons des problèmes de santé. Vous allez payer chez les psychologues, psychiatres pour vous relaxer. Alors, madame, relaxez-vous, vous payez 100 euros. Hein. Mais ici, vous ne payez rien. Amen. Le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir vous sentir plus à l'aise. Et que le cœur, si vous voulez obtenir de la part du Seigneur, alors soumettons-nous simplement à son rythme. Amen. La femme syrophénicienne. Elle a suivi, malgré tout, Amen. La patience, la persévérance, et suivez parce qu'elle avait un besoin. Nous voulons donner du temps au Seigneur. Combien il est bon, notre Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour prendre dans le livre de Thessaloniciens, le premier livre de Paul au Thessaloniciens, et disons. Chapitre 5. Premier chapitre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Donc, je voulais aussi vous transmettre les salutations de notre frère Daniel. Il m'a appelé hier soir, c'était très tard dans la nuit. Et là, vraiment, ça a touché mon cœur. Il me parla des. Lénicia, vous connaissez la petite fille, la fille de notre frère Sylvain. Ah, Dieu a visité vraiment cet enfant. Et alors il me dit que l'enfant était assise avec ses parents. Les parents pensaient qu'elle dessinait. Non, elle composait un cantique. Et le frère m'a dit des paroles au téléphone parce qu'il voulait que je puisse entendre les paroles qu'elle avait composées. Mais c'est extraordinaire. Amen. Dieu travaille. Amen. Et c'est une grande délivrance que Dieu a accordée à cette famille. Vraiment que son Seigneur soit. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse et la foi, l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Merci mon Père. Je te loue encore parce que nous avons vraiment la grâce de nous tenir aujourd'hui. Peut-être que beaucoup ne peuvent pas réaliser la grâce que nous avons de pouvoir t'avoir comme Dieu. Mais un jour viendra, bien sûr. Puissez vraiment nous aider encore aujourd'hui alors que nous sommes encore sur cette terre des hommes et de nous pas puissants de pouvoir considérer ce que toi tu as vraiment fait pour nous. La grâce de pouvoir réellement t'avoir, c'est pas moi qui peux les mêmes personnes, de servir toi, Dieu vivant. Tu nous as bénis au travers du psaume, le chant des cantiques, mon roi.
Maintenant, je t'implore encore la grâce par ta parole, Père, puisse vraiment nous aider. Et que mon cœur ne soit qu'entre tes mains, Seigneur, et que je n'ai que des pensées qui viennent de toi, Père. Seigneur, puisse m'aider encore sur le temps. Ton peuple a besoin de toi. Nous tous nous attendons à toi, Père. Pardonne-nous parce que c'est ta parole à toi, Père. Il ne peut l'interpréter selon son pensée, Seigneur, mais tu es l'interprète de ta parole à toi. Puisse encore nous exaucer. Je t'ainsi prie, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au pauvre. Nous implorons la grâce à notre Dieu de pouvoir réellement nous aider, parce que Dieu est Dieu, il n'est pas homme comme nous, et nous ne nous approchons pas de lui comme nous le pensons, nous approchons de lui selon la voie et le moyen par lequel il nous a lui-même aussi ouvert et de nous montrer effectivement comment cela doit se faire. Si nous faisons les choses comme nous l'imaginons, c'est sûr et certain que Dieu ne pourra jamais arriver. Peu importe la sincérité qu'on pourra mettre dans la chose, Dieu ne peut pas agréer cela. Et si nous pensons que par ces moyens ici, Dieu va nous agréer, c'est pour aussi que nous comprenons que beaucoup peut-être de ceux qui nous suivent et qui écoutent effectivement, ce n'est pas que nous chantons pour dire que comme ça Dieu va nous agréer, Dieu nous agréer, non. En fait, nous chantons parce que l'Esprit du Seigneur nous pousse à chanter. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc en fait, nous voulons, comme le Saintes Écritures le dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi je parlais aussi tout à l'heure que nous voulons laisser le Saint-Esprit agir parce qu'il sait ce qui est juste à pouvoir faire. Amen. Donc nous cherchons de tout notre cœur, notre âme, à nous soumettre à Dieu, pas à nous soumettre à nos passions, ni à notre pensée, ni à ce que nous voulons faire. Nous voulons que quand nous entrons dans sa présence, que nous fassions les choses comme lui veut, pour qu'il nous agrée. C'est pourquoi nous les supplions de pouvoir réellement, que nous abandonnions, qu'il nous aide à pouvoir réellement nous abandonner davantage à lui, pour que le Saint-Esprit, lui seul, nous montre effectivement de quelle manière je dois me tenir pour pouvoir l'adorer, de quelle manière effectivement mon cœur doit se trouver, parce que à certains moments, quand le cœur il est lourd, il y a quelque chose qui n'était pas conforme, alors le Saint-Esprit, il me pousse à pouvoir prier Dieu, et quand la chose est enlevée, je sens la liberté maintenant de chanter Dieu. Amen. C'est pourquoi je pousse des cris de joie, je pousse effectivement, je peux chanter, parce que je réalise que Dieu a fait quelque chose pour moi, et que maintenant, il y a une relation entre moi et Dieu. Amen. Et la voie a été donc ouverte. Amen. Donc là où se trouve Dieu, il n'y a pas la glace. Amen. Là où se trouve Dieu, c'est l'allégresse. Amen. La joie. Parce qu'il a dit, mais je suis dans le froid, non, je suis dans la joie. Amen. Quand on médite, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et quand nous y entrons, alors à ce moment-là, nous sommes réchauffés. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur. On peut le voir, on peut dire, oh, mais voilà comment ils sautent, et c'est j'entends. Mais j'ai dit, mais nous sautons parce que nous sommes heureux. Amen. Nous sautons et nous dansons parce qu'il nous a libérés. Amen. Nous étions des esclaves des systèmes qui font faire ça comme ça. Aujourd'hui, les liens sont brisés. Alors là, nous pouvons chanter. Amen. Alors là, nous pouvons danser à l'esprit. Amen. Si toi, tu critiques, la Bible dit qu'effectivement, que lorsque on pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Amen. Je préfère me taire et simplement observer ce qui se passe. Amen. Mais que de pouvoir, il va apporter un jugement alors mauvais, alors c'est qui veut dire que la situation pour toi devient... Alors nous devons simplement nous laisser nous conduire par l'Esprit du Seigneur pour que nous puissions être aussi dans la condition dans laquelle le Seigneur veut que nous soyons. J'ai dit, c'est peut-être ça, nous allons y entrer. Et regardez bien, parce qu'il dit bien, il dit bien que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc nous ne vivons pas selon nos esprits, nos pensées, nos émotions, mais vous vivez selon l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. Donc nous soupirons à cela, pour que c'est comme cela qu'on devient donc serviteur et servant de l'Éternel. Parce que vous savez bien que dans la justification, c'est un travail. Sanctification, c'est un travail, c'est-à-dire qu'on nettoie les vases pour l'utiliser. Mm-hmm. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient que le Seigneur maintenant utilise le vase. Donc à ce moment-là, on sert vraiment Dieu. La Bible dit non, en esprit et en vérité.
Donc nous soupirons à ce que... J'aime bien la parole parce que dans le jour de Pentecôte, quand Pierre a... Et quand ils ont posé la question, « Oh, homme, frère, que ferons-nous ?» Il a dit, « Mais répandez-vous !» Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et qu'est-ce qu'il dit après? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est cela qui te met en service, effectivement. Parce que quand il est là, effectivement, alors le Saint-Esprit te conduit à pouvoir agir et comment être dans la maison du Seigneur, effectivement. Pas, tu ne deviens pas quelqu'un qui a la logique, mais tu deviens quelqu'un qui est spirituel. Amen. Alors quelqu'un qui est spirituel, il est différent de quelqu'un qui a la logique. Si je fais ça, on va penser ceci. Mais lui, il ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Parce qu'ils vont me regarder, ils vont ceci, cela. Alors je me contiens, je me tiens. Non. Lui, il n'est pas comme ça. Que m'importe ce que les autres vont dire? Ce qui m'importe, ce que Dieu veut que je fasse. Vous savez, si on comptait sur ce que les autres vont dire de nous, Noé n'aurait jamais construit l'arche. Oh, que Dieu nous aide. Noé l'aurait jamais fait parce qu'effectivement, ben, ça dénigrait la personne. Les gens qui avaient la logique, effectivement, disaient, mais il n'a jamais plu, effectivement. Et puis, Noé qui va avec la hache, qui coupe les branches, effectivement, les troncs d'arbres, et qui amène, qui assemble pour faire quoi? Une hache parce qu'il va pleuvoir. Mais les voisins de métier, mais Noé, quand même, nous, on a dépassé ces stades-là, quand même. Puisque notre intelligence nous montre en disant qu'il n'a jamais plu. Et puis, on a les appareils ont montré, quand même, qu'il n'a jamais plu. Noé n'a pas écouté cela. Noé était devenu un fou, mais il s'est réjouissé parce que la Bible dit que Noé trouva grâce. Et il avait réalisé la grâce, l'important, la grâce qu'il avait trouvée aux yeux de Dieu, même si les autres le considéraient, effectivement, dire, Seigneur, sauve cette terre. Tu aurais pu détruire, mais détruire aussi, mais tu as trouvé grâce à tes yeux pour que toi, tu me parles, Seigneur. Et que tu médites, effectivement, ce qui va se passer. Non seulement ça, mais tu as mis encore en moi. On s'est poussé de pouvoir également s'y accrocher. Et le faire. Des critiques et tout ça, ça vient là, ça sort de l'autre côté. Je me focalise sur ce que toi, tu veux que je puisse arriver à pouvoir. Parce que aussi longtemps que tu tiens compte de ce qu'on dit de toi, c'est un frein. Le diable ne te poussera jamais en avant, il te retiendra toujours. Mais Dieu te poussera toujours en avant. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc si mes oreilles ne peuvent simplement qu'écouter ce que l'Esprit dit, je serai toujours plus que vainqueur. Mais quand mes oreilles se tournent effectivement dans ce que les hommes disent, effectivement, alors je suis dans la défaite tout le temps. Ce que moi je veux, c'est être toujours dans la victoire. Et dans la victoire, c'est avoir les oreilles qui entendent, effectivement, et qui sont tournées vers... C'est pour ça que dit que c'est lui qui a les oreilles. Entendre ce que l'Esprit aux églises. Et c'est à l'esprit que je dois écouter. Alors ici, nous l'avons entendu, il dit, mais vous n'avez pas besoin. Tout ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, mon frère et ma soeur, qu'on vous en écrive. Et nous l'avons entendu, cette parole, je voudrais bien toujours vous prêter attention. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la manière dont cet homme s'adresse effectivement à ce péché. C'est là qu'on voit. Quand le Saint-Esprit saisit un homme, pour lequel Dieu, comme l'apôtre Paul, effectivement, alors Dieu est dans la personne. Regardez l'assurance dans laquelle cet homme s'adresse effectivement à ce peuple. En fait, il s'était dit là, il me dit, mais vous n'avez pas besoin, frère. Pour dire cela à ces personnes, il faut que tu aies l'assurance, effectivement, qu'ils sont. Ce qui doit être fermement comme l'Écriture le fait savoir. Quand on dit que vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où vous avez la véritable connaissance. Amen. Et que Dieu a vraiment regardé, parce que c'est pas l'homme, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Et quand Dieu a regardé, effectivement, il dit, mais ils sont donc arrivés. Parce que si vous remarquez très bien, dans les Saintes Écritures, je crois que nous pouvons lire avec vous, mon frère et ma soeur, pour que vous puissiez voir que cela est aussi vrai. Regardez bien, je pense que c'est cela. Je pense que c'est un premier épître de Paul aux Thessaloniciens, effectivement. Je pense que c'est cela. Et ici, regardez bien, verset 1, premier épître, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens,
qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, vous suivez ? Amen. Vous suivez ? Amen. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu, que quoi ? Que vous avez été élus. Vous voyez cela ? Amen. Donc, si il a exprimé ce qu'il a exprimé au chapitre 5, verset 1, donc, en fait, effectivement, le Saint-Esprit qui était donc. Donc il savait effectivement quelle était en fait la position et les niveaux à laquelle ce peuple était arrivé, parce que l'Écriture ne ment pas. Et là, nous comprenons qu'effectivement, que oui, et parmi ceux qui étaient là, c'est sûr et certain, il y avait des élus de Dieu. Quand on parle des élus, c'est vraiment élus de Dieu. Comme l'Écriture parle effectivement que nous avons été élus. Donc là, frère, quelle grâce de pouvoir savoir qu'on est assis là et que là, effectivement, il y a des élus. Donc parmi eux, je suis. Amen. C'est pas que je répète élu de Dieu que quelque part, et puis Dieu dit qu'effectivement que vous êtes. Amen. Alors maintenant, ça doit vraiment réjouir le cœur de celui qui est assis, effectivement, et qui réalise effectivement que, oh, parce que vous savez, comme nous l'avons entendu aussi, que lorsque Dieu s'adresse à toi, c'est sûr et certain, tu sais que c'est à toi que Dieu parle. Amen. Il dit, mais vous n'avez pas, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même, donc vous, sans hésitation, sans que, oui, parce que la science dit, et puis nous pensons, et puis nous avons pensé, et puis nous avons écrit, puis on essaie un peu de voir. Non. Il dit, mais c'est vraiment, vous êtes sûr de cela. C'est cela la question. Est-ce que vous l'êtes bien? Est-ce que vous supposez que c'est peut-être le temps? Est-ce que vous avez vraiment cette assurance en vous? Et comme il dit, mais vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Êtes-vous vraiment certain de savoir qu'effectivement que ce jour viendra comme un voleur? Ou bien soit on dit, bon, c'est vrai que je pense que c'est comme cela, mais bon, moi je pense que c'est là comme cela. Ça c'est là le problème. Parce que nous devons être sûrs et certains que ce que la Bible dit, et c'est comme cela que la chose se passera. Le jour du Seigneur viendra certainement comme un voleur dans la nuit. Quand un voleur vient, il ne prévient pas, n'est-ce pas? Alors, vous savez comment est-ce que les choses se font? Quand quelqu'un sait qu'on va venir voler et que le voleur pourra passer à certain moment voler chez lui, vous savez ce qu'il fait? Il va barricader la porte. Moi, j'avais fait, vous savez, dans la zone où nous habitons, et dans le quartier où nous sommes effectivement à l'intérieur, quand je suis arrivé là-bas, voyez-vous, je trouvais que tout était calme et bien. J'avais l'habitude, je quitte ici, j'arrive à la maison, on pousse simplement la porte comme ça, sans même faire attention, parce que parfois, on dormait, les voitures étaient dehors, j'ai même oublié la clé de la voiture sur la serrure de la voiture, jusqu'au lendemain matin, je retrouvais ma voiture devant la maison. Mais un jour, en venant aussi comme ça, avec l'habitude, j'ai dit, bon, il n'y a personne, je pousse seulement la porte. Je prends tout, je dépose sur la table bien classée, et les clés, les portefeuilles, tout ça, parce qu'à 4h du matin, je devais sortir pour aller en France. Et voilà que le matin, vers 3h, je pense, j'entends le bruit, je descends en bas, comme ça, je regarde, tout était parti. Portefeuille, et puis le voleur était content puisque j'avais tout classé pour lui. Mais c'est vrai! Parce que bon, je suis rentré du bureau, et puis je suis arrivé, comme demain je dois partir, je mets les clés de la voiture ici. Alors j'avais un cadeau que j'avais reçu de ma bien-aimée soeur, mais non, c'était un GPS, vraiment un bon appareil, qui, avec une beau sac qu'elle m'avait donné, j'ai déposé là aussi. Les voleurs étaient contents. Et les clés de la voiture, eh bien, déposées là aussi. Et puis bon, je suis monté,
Et c'est à 3h du matin, et je descends, je trouve ma porte un peu légèrement ouverte, et puis je regarde au salon. Pas le portefeuille, pas les clés de la voiture, pas les GPS, rien du tout. Et puis comme je vous avais dit dans les témoignages, non. Puis bon, je dis, bon, je vais aller voir dehors pour la voiture. Je regarde sur le parking, plus de voiture. Je dis, je regarde un peu la voiture de Jacob, j'aurai la voiture de Jacob, plus de voiture. Et je regarde, je rentre à la maison, je n'ai rien fait. Je dis, bon, je monte. Votre soeur dormait, tout le monde dormait comme Jacob était encore en bas à ce moment-là. Et voilà, c'est quand même terrible. Le grand monsieur était là-bas, dormant au salon, par terre de l'autre côté, là-bas au fond. Et le voleur est entré calmement. Il a bien volé. Et le grand mastodonte était en train de dormir. Et puis, moi, je monte. Et puis, je n'ai rien à la maison. Puis, je descends pour trouver le mastodonte allongé sur son lit en bas. Alors, j'ai dit, mais... je dis, Jacob, tu sais quoi? Et j'ai dit, on vous a volé. J'ai dit, monsieur, mais les voleurs sont venus, tu t'es dit, non, faut pas me tourner, moi, lui, il est parti. Le voleur est parti déjà loin. Ah, ils sont, oh, j'ai dit, oh non, calme-nous, les choses sont parties. Bon, vous connaissez la suite. Donc, et puis, depuis ce jour-là, oh, j'ai acheté des cadenas comme ça. Ding, 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 on rentre à la maison. Ding, 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 ding. Venez chez moi, vous allez voir. Cadenas. À cet moment, vous savez ce qui s'est passé. Avant de mettre les cadenas, parce qu'il fallait l'endommager chez les cadenas, lui, il prenait les planches comme ça. Il barricadait la porte, il mettait une planche contre les gens. Il dit, mais il ne viendra plus. Non, papa, on ne sait pas encore. Alors il mettait la grosse planche. Donc, si tu venais chez moi, mais de la nuit, il fallait d'abord arracher d'abord les planches pour t'ouvrir la porte. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un sait que les voleurs vont venir, il se prépare, mon frère. Et si on sait que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit, notre attitude, en fait, va être différente. Amen. Donc, on est aux aguilles. Donc, on n'est pas là, il va venir. Non, on ne sait pas, ça peut être. Mais il y a quelque chose. Ça, frère, être un élu de Dieu, c'est quelque chose de très particulier. Vous vivez cela, vous ne savez pas ce que c'est. Vous vivez parce qu'en fait, il y a comme quelque chose d'alerte au-dedans de toi, continuellement. Alors, vous n'avez pas besoin, frère, vous avez dit, mais c'est que c'est dit, quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra comme le douleur de l'enfantement, surprenne donc la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors là, nous, on nous révèle effectivement comment les choses se déroulent, parce qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse effectivement à ceux-là qui aiment le Seigneur, qui s'accrochent au Seigneur, qui donnent vraiment leur temps au Seigneur, et qui, leur vie, c'est pour ça tout à l'heure, quand nous avons commencé, il disait, mais vous savez, le temps que nous vivons pour la parole de Dieu, et quand nous avons un jour comme ça, c'est pour ça que nous vivons. Donc c'est un jour où nous venons, vous savez, venir le matin, on est là, on chante, on le fait, puis on sort l'après-midi, on reste encore en prière du Seigneur, parce que les lundis, on n'aura pas aussi assez de temps. Amen. Donc on va vraiment profiter encore aujourd'hui de prier. S'il faut que je retourne encore à l'assemblée, encore qu'on chante, encore qu'on écoute encore la parole. Vous savez, c'est une vie comme cela. Amen. Et alors on repart le lundi bien chargé. Amen. À ce moment-là, vous voyez des gens qui sont dans les trams, montés, les voies chantées. Mais vous n'avez pas entendu aux informations les nouvelles pour l'augmentation des prix? Quelle augmentation des prix? Mais vous voyez tout, je voyais tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Amen. Moi, je suis dans autre chose. Amen. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Parce que nous savons que le Seigneur, c'est pas pour dire qu'on peut dire, le Seigneur nous dit, mais si nous nous occupons d'abord du choses du royaume des cieux, toutes les autres choses-là, il va s'en occuper pour nous. Il donnera par-dessus tout. C'est vrai, non? Si nous nous soucions des dieux, lui, il va prendre soin de nous. Et il va aussi pouvoir effectivement nos besoins. C'est-à-dire que nous comprenons effectivement ce qui nous est nécessaire. Et c'est pour ça, nous chantons, c'est pourquoi nous sommes joyeux. Mais quand tu arrives le lundi, quand la pauvre main, on voit la tête comme vous, qui commence à voir. C'est parce que quelque part, tu n'étais pas bien. Bien nourri, en fait. C'est-à-dire que tu n'étais pas bien. Tu n'étais pas bien préparé dans l'esprit, parce que c'est comme cela. Regardez bien, pour aller au combat, ils se préparent, les hommes. Hein? C'est vrai, non? Donc, quand il s'est bien entraîné, il est sûr que là, quand je vais arriver, même si on me dit, je suis sûr que je vais les battre. Parce qu'il est sûr de ce qu'il a eu à pouvoir se préparer.
C'est comme cela aussi, donc on doit être conscient de cela. Donc là, on nous montre effectivement ce qu'il a dit. Quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils s'affrontent pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sourds. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Avez-vous remarqué l'écriture et la manière dont cet homme et en parler effectivement, et, mais vous, frère, ne pas dans les pays, arrivez là, il dit, mais nous qui sommes du jour, parce que c'est vrai, il a bien dit, mais vous, frère, ne pas dans les ténèbres pour que ce jour, et puis il arrive là, et que derrière, il dit, mais nous qui sommes effectivement du jour, soyons sobres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire vraiment, cette parole, nous qui sommes du jour? C'est quoi? Ça veut dire quoi être du jour? Parce que ici, il dit bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il est bien parlé du jour qui doit venir. Et chacun de vous sait ce qu'il en est de ce jour. L'écriture, nous l'avons souvent entendu ici. C'est un jour, vous savez, même l'apôtre Paul écrit une chose, c'est toujours lui-même. Je crois dans 2 Thessaloniciens, regardez, pour que nous puissions comprendre, il y a nous qui sommes du jour, il y a dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je pense, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, je prends quelque chose. Voilà. 2, c'est juste en tournant la page, dans Mélange, chapitre 2, verset 1 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Vous suivez? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc vous voyez, c'est lui-même qui vient de parler de ce chapitre 1 ici, non? Et puis dans le chapitre 2, maintenant, il dit maintenant, concernant l'avènement du Seigneur, donc le jour du Seigneur, vous savez, non? Il dit, ne soyez pas ébranlés par quelque chose comme si le jour en question était déjà là. Ici au chapitre 5, que nous avons lu avec vous, chapitre 5, le premier épître, il dit, nous qui sommes du jour. Et là, on nous parle du jour du Seigneur, et puis nous posons la question de pouvoir savoir qu'est-ce que cela veut dire, effectivement. Parce que quand il est question de nous qui sommes du jour, il y a quelque chose qui est en rapport avec, effectivement, et qui pour lui, effectivement, aussi quelque chose en rapport à cela. Et il dit ici dans 2, chapitre 1. Oui, le chapitre 2, il m'a dit, mais comme que vous avez pas parlé comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Vous savez que ce jour en question du Seigneur est un jour qui doit venir. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez vraiment? Okay. Alors ici, mais là au chapitre 5, il s'est dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Parce qu'à un certain moment, il a parlé du jour et de la nuit. Montrant qu'effectivement, que ceux qui sont de la nuit, dorment la nuit, de la ténèbre, effectivement, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous se prenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Voilà, qu'est-ce que cela veut dire? Être des enfants du jour, parce que, comme elle a dit, nous qui sommes du jour.
Quand même. Merveilleux. Regardez. Dans le livre des Hébreux, je pense, au chapitre 4, l'Écriture nous dit une chose. Elle dit, Hébreux, chapitre 4, personne n'a dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, pour que vous ne paraisse être exclu dans votre version. Hein? Okay. Car cette bonne nouvelle, Hébreux 4, verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, vous devez suivre bien quand on lit, hein? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous vous souvenez encore? De qui il parle là, non? De quel peuple il parle? Israël, non? Ok, alors nous continuons. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur obéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alors si nous prenons au chapitre 3, voyons cela aussi, hein, chapitre 3, verset 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Vous suivez? Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils sont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur aussi mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Amen. 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 Donc nous réalisons une chose, mon frère et ma soeur. Et lorsque Dieu parle, effectivement, comme nous l'avons lu dans Saint-Lucien et dans Hébreux, effectivement, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et par la grâce du Seigneur, dans cet âge où nous vivons, nous avons entendu la révélation qui a été donnée, effectivement, que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, ça veut dire que nous, les nations qui étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, alors Dieu est venu vers nous dans la forme d'un homme, et c'est donc sacrifié pour que maintenant nous puissions avoir aussi accès aux promesses, et nous l'avons reçu comme étant notre sauveur personnel. Il y a donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul sauveur. C'est Dieu qui est sauveur. Tant qu'il est venu aussi nous sauver, alors nous aussi nous l'avons reçu. Alors le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu aussi notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu a toujours un principe. Il dit le ciel et la terre passeront. Moi je ne change pas comme ma parole ne peut pas passer non plus. Malachi 3, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Amen. Sa façon de faire, il ne le change pas, il demeure toujours le même. Alors, effectivement, le peuple d'Israël, il était
quelque part dans un pays aussi qu'il était étranger, ils étaient aussi esclaves, et là, vous connaissez la suite. Agissant et servant aussi comme Pharaon dominait sur eux, voilà, qu'est-ce que ça. Oh là là, c'était un moment très très difficile. Ah, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient sous la domination. Mais Dieu avait fixé un jour. Dieu avait fixé un temps. Temps pendant lequel l'esclavage devait durer. N'est-ce pas vrai? Oui, effectivement, l'ennemi pouvait faire avec eux tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait, effectivement. Il le faisait. Et quand le Dieu avait déterminé, et quand le temps est arrivé, Dieu a mis un frein. Et ce peuple-là, écoutez bien, n'était plus sous l'esclavage. Pharaon n'était plus effectivement sous les coups et les bâtons, effectivement, de l'Égypte comme ils en étaient, effectivement. Ce peuple est sorti de l'esclavage dans lequel il s'est trouvé. Alors, c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Ils ont regardé derrière, effectivement, parce que quand ils sont sortis, voyez-vous, où Pharaon était là, finalement, encore avec son armée, vous connaissez effectivement comment les choses se sont passées. Et voilà que, et pendant qu'il partait, effectivement, Pharaon s'est levé avec son armée, et pendant qu'il avançait, il allait derrière, il voyait l'armée de Pharaon qui venait à dire, aïe, si nous allons mourir. En fait, c'est que la sortie que nous avons eue, ça ne servait à rien. Les autres, effectivement, commençaient à voir maintenant se répandre. Ah, c'était bon de rester en Égypte, effectivement, là où on mourait, il y avait des tombeaux. Maintenant, on va nous tuer comme des chiens. Et ça leur valait vraiment la peine de pouvoir sortir, effectivement, quand on voit ce qu'il fallait voir, effectivement, c'est pas possible. Et Dieu dit, pourquoi tout s'écrit? N'est-ce pas, vous souvenez, non? Il a ouvert la mer rouge. Malgré qu'il a ouvert la mer rouge, effectivement, le peuple passait avec beaucoup de gens, mais la peur était derrière parce qu'il voyait l'armée de Pharaon. Il dit, mais parce que vous savez, quelque chose qui vous a traumatisé reste toujours quand vous la voyez, non? Oui, oui. Je suis venu, mais puisqu'il s'est trop dit, donc ça travaille toujours chez vous. C'est pour ça, quand Dieu, quand on parle de la délivrance, écoutez s'il vous plaît. Quand on parle de la délivrance, mon frère et ma soeur, c'est aussi votre conscience, votre subconscient et votre mémoire. Amen. Si cela n'est pas fait, l'esclavage est toujours là. Donc la délivrance totale, c'est un nettoyage. Mémoire, conçu, conscience, d'abord penser tout. Donc Dieu nettoie tout. Amen. Donc effectivement, il n'y a plus quelque chose qui peut être condamné encore. Amen. Parce que tout a été nettoyé. Amen. Et vous savez, quand les pharaons étaient venus, ils étaient là, oui, mais ils n'avaient vraiment pas pleinement confiance à Moïse. Parce qu'il parlait, mais il est toujours là, Pharaon. Il a son armée, toi tu n'as rien. Où est-ce que tu nous amènes? Voilà pourquoi il y avait des murmures. Traumatisme, effectivement. On sait qu'il est le chef, il nous fouette, effectivement. Mais toi, tu le fais sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il est là. Tout ce que Dieu faisait, le peuple ne se rendait pas compte. Dieu savait, effectivement, qu'il leur fallait, pas une délivrance, mais une délivrance totale. Pourquoi total, mon frère et ma soeur? Pourquoi ta mémoire, ta conscience, ton subconscient est nettoyée? Pour que ton adoration soit totalement à Dieu. Parce qu'il est un livre, maintenant, il n'y a rien qui te lit. Amen. Il dit, mais Seigneur, maintenant je suis à toi. Oh, gloire à toi. Amen. Liberté, je ne peux que t'adorer. Parce que quand j'étais là-bas, je devais avoir peur de voir t'adorer. Mm-hmm. Parce qu'il fallait qu'il trouve la statue de Pharaon dans ma chambre à coucher. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le peuple ne savait pas. Quand Dieu travaille pour toi, mon frère et ma soeur, et qu'il fait son œuvre en toi, laisse Dieu faire. Amen. Aie confiance en ces dieux, effectivement, de tout ton cœur. Dis-le, Seigneur, je ne comprends pas, mais je confiance que certainement tu agis, que tu agiras certainement. Alors, laisse-moi maintenant te donner les... Donc, prends le temps. Ne sois jamais pressé avec Dieu.
donne le temps au Seigneur d'agir. Et c'est pour ça qu'il s'en sortit, effectivement, il ne se rendait pas compte de la grande délivrance que Dieu allait vraiment leur accorder. C'est vrai qu'en sortant, il était content, mais la peur, parce que un œil vers le désert pour voir partir sur le désert, un autre œil vers Pharaon qui est toujours là. On part, on dit, est-ce qu'il ne va pas nous rattraper? Est-ce qu'on va encore revenir aussi longtemps qu'il est là? Alors maintenant, Dieu a voulu maintenant qu'il soit tranquille. Alors il est envers la mer. Ils ont traversé la mer, effectivement. Là, jusqu'au bout. Quand c'est arrivé au bout, effectivement. Il dit, mais puisque nous avons traversé, nous sommes contents d'arriver. Et tout d'un coup, il tourne les regards, il voit aussi que l'ennemi, Pharaon aussi, c'est là dans la mer. Il dit, mais alors maintenant, où est-ce que nous irons? Il dit, on fuit dans la mer, il nous suit aussi. Donc notre vie n'a pas de sens, parce qu'aujourd'hui c'est plus possible. Parce qu'on fuit, il nous suit, donc on sera esclave de cet homme. Or Dieu savait ce qu'il faisait. Et c'est comme cela qu'effectivement, c'est pour ça. Vous vous souvenez, frère, dans la prière des Zacharie. Vous voulez lire avec vous? Regardez dans le livre de Luc, je pense. Hein. Zacharie, lorsqu'il a prié, regardez là. Je crois que c'est dans le livre de Luc, c'est cela. Je pense que c'est Luc. Oui, regardez. Nous l'avons lu l'autre fois. Oui, voilà. Luc, chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et y prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité en puissance au peuple, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, écoutez bien, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. Amen. Donc cela est ce que Dieu veut de son peuple. Amen. Être totalement libéré. C'est-à-dire que Satan ne peut plus avoir la main dans la subconscience, dans la mémoire, dans l'imagination. Il dit, mais, oh, tu te souviens quand même, même si tu chantes, tu te souviens ce que tu avais fait. Donc Dieu a délivré cela. Il a nettoyé, ta mémoire est pure. Amen. Ta conscience est pure. Ton subconscient aussi est nettoyé. Amen. Alors, pendant que le peuple a dit, regardez les derrière, ça, il nous suit encore là, la peur y était. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant que Pharaon, qu'il a laissé Pharaon avec toute son armée entrer, pendant qu'il était entré, la mer et tout ça, les flots recouvrirent effectivement Pharaon et toute son armée. Le peuple d'Israël, là sur le bord, pouvait regarder et dire, mais non, non, non. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit se dit, Myriam tenait donc les tambourins, commença à pouvoir glorifier Dieu. Parce que la victoire était totale. Amen. Il dit, nos ennemis, Pharaon, on ne savait même pas comment s'en débarrasser. Tu as tout détruit, même son armée, même lui-même. Qui peut donner toi, madame la Seigneur, dit le Seigneur, nous sommes libres. Nous sommes à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, les tambourins, c'est ici, il a commencé à chanter, à danser. Amen. Israël était totalement libéré. Son ennemi était complètement détruit. Amen. Oh, ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma soeur, c'est que tout ton cœur à toi. Sans peur, sans crainte de quoi que ce soit. Amen. Oh, mais est-ce que mes enfants vont avoir la nourriture? Est-ce que mes enfants vont réussir? Dieu a dit, mais tout cela, je l'ai fait pour toi. Amen. Amen. Ce que j'attends de toi. Il dit, mais le païen peut s'inquiéter. Le frère, soeur, quand je vois nos frères, que Dieu ait pitié. Amen. Amen. Il dit, le païen peut s'inquiéter parce qu'il ne me connaît pas. Alors quoi des Gongotas quand j'ai dit tout est accompli? J'ai pensé aussi à tes enfants. J'ai pensé aussi à ton bien. Oui, 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 oui. À leurs études, je le savais. Amen. Amen. Amen.
Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi crier? Je te l'ai dit. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Je vous ai prouvé que j'étais mort, je suis vivant, que j'ai vaincu l'autre, la trappure va peu. Ah, mais parce que j'aurai la misère, tu ne peux plus avoir la misère. Parce que mais j'ai tout vaincu. Amen. Les démons, si il va encore, qu'est-ce qu'il aime encore, après, il va se passer avec les démons. Non, on lui dit, mais j'ai vaincu. Mais la Bible dit quelque part, je pense, Philippiens ou pas, regardez bien. Peut-être que. Je pense qu'on va te trouver. Philippiens ou pas. Mais regardez bien, on va peut-être lire cela rapidement. Allez, je pense, Philippiens. Je dis ça, c'est pas des cartes ici. Voilà, c'est Colossiens chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition colossienne du 1, s'appuyant, verset 8, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la divinité, toute la petite divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Lui qui est le chef de toute domination. Amen. Et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce. Amen. Pour toutes nos offenses. Amen. C'est quand même clair, non? Amen. Il nous a fait grâce. Et puis continue, mais il a effacé. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, comment ne pas glorifier Dieu? Comment, frère, Satan n'a plus. Voyez quelque chose sous quoi il peut s'approcher contre toi. Mais aussi longtemps que toi tu ne réalises pas cela, tu seras esclave. C'est sûr. Et puis continue, on n'a pas fini. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait vraiment contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc effectivement, il a tout vaincu. Amen. Alors, s'il a tout vaincu, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi? C'est pour que moi je sois libre. Amen. Qu'il n'y ait aucun lien, qu'il n'y ait aucune chose qui m'empêche de pouvoir. Parce que si, quand l'esclavage est là, vous le voyez, quand l'esclavage est là, effectivement, même dans ta vie, tu sens que tu veux même prier, ça te tient quelque part. Mais quand Dieu t'a libéré, effectivement, de toutes ces choses, tu deviens libre. Pourquoi? Mais pour lui appartenir. Afin que tu sois heureux, sachant qu'effectivement, que je possède maintenant tout, parce qu'il a vaincu pour moi. Maintenant, j'ai toutes choses. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est pourquoi même, frère, dans le livre des Hébreux ici, et que Dieu nous aide à avoir le temps. Dans le livre des Hébreux, il a dit ceci, mais vous n'avez pas remarqué, effectivement, que quand il est parlé du repos, le septième jour, effectivement, tu viens, tu te reposes, et le lendemain, tu commences à travailler. Mais Dieu, quand lui s'est reposé, il n'est plus jamais revenu récréer. Donc le repos que Dieu parle, effectivement, c'est là que, quand tu vas dans ce repos, tu ne travailles plus. Amen. Tu te reposes, mon frère. Celui qui est dans le repos de Dieu, il se repose. Donc il n'a plus les tracas. Seigneur, je me repose. En se reposant, à ce moment-là, quoi? Mais c'est simplement la vie de Dieu en toi qui se manifeste. Amen. Tu ne peux plus te battre pour dire je dois aimer, je non. C'est naturellement, ça vient. Amen. Alléluia. L'homme ne fait plus d'efforts. Amen. Parce que la chose qu'elle a. Donc, si Dieu
a eu à pouvoir te délivrer. Il te l'a dit d'abord. Il me dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? De quoi mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et comment mes enfants vont s'en sortir? Et comment ça va être ceci et cela? Mais pourquoi vous vous inquiétez? Les oiseaux du ciel. J'aime cela. Ni moissonne, ni ne sème. Ils s'en vont, ils vont effectivement à gauche, à droite. Vous connaissez la suite, non? Amen. Il dit, mais oui, et je m'habille, c'est dit, mais toutes ces choses-là, c'est vraiment les païens, parce que l'homme païen ne sait pas vraiment ce que Dieu lui a fait. Mais toi, en tant que croyant, je te l'ai dit, il dit, mais tu n'as pas t'inquiéter, puisque j'ai tout accompli pour toi. C'est vrai. Qu'est-ce que je te demande? Si j'ai tout fait, tu n'as pas t'inquiéter, donc pas d'inquiéter, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais donne-toi simplement tout entier à moi. Ton travail, c'est de me servir. Mais là, c'est pour ça, Paul dit, mais prisonnier de Christ. J'étais prisonnier dans le monde, effectivement. Ça, je dois faire maintenant, libéré de tout cela. Parce que, frère, manger, habiller, réussir, Dieu me donnera cela. Amen. Si tu obéis à maintenant ton Dieu, ce sera toujours la tête et non le cœur. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai la solution à tous mes problèmes. Amen. Amen. Même si en sortant, je dis, mais frère, je trouve mes factures dans la boîte aux lettres. Mais ces factures-là, tu vas quand même les payer. Amen. Parce que Dieu va pouvoir un moyen financier. D'une manière ou d'une autre, tu les payeras. Amen. Amen. Le chrétien, le véritable, l'élu de Dieu, c'est un homme. C'est pourquoi vous remarquez le Seigneur quand il vient vers ses disciples, il dit, mais que la paix soit avec vous. Amen. Quand il n'y a pas de paix, c'est le trouble. Il dit, mais pourquoi être troublé? Il dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans ton cœur. Seigneur, mon avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir. Qu'est-ce qu'on va me faire? Non! L'avenir appartient à Dieu. Amen. C'est vrai, non? J'ai toujours rendu témoignage ici en rapport avec le champ de séjour. C'est vrai que les gens qui n'ont pas de papier, que ce soit ici ou ailleurs, je parle de ceux. Et alors, ils disent, bon, maintenant, les mesures sont devenues très, très draconiennes. Mais ça a toujours été draconien. C'est-à-dire que ça a toujours été dur. Mais mon frère et ma soeur, quelle est cette mesure, que ce soit dure aussi qu'elle soit, que Dieu ne peut pas arriver à pouvoir changer quand il veut. Amen. Je vous demande l'éternité ici, non? À l'époque, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui croyaient au Seigneur de tout leur cœur, mais qui étaient sans ce jour. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous on faisait? Je dis, mais Seigneur, la terre t'appartient. Chaque pays où nous allons, c'est à toi. Amen. On dit, nous sommes des Belges, mais en fait, la Belgique n'appartient en personne. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Qui a fabriqué la terre de la Belgique? Personne. Amen. On est venu trouver là. Il peut dire, c'est à moi, c'est à toi, depuis quand tu l'as, t'es acquis. C'est mon grand-père, ton grand-père, il l'a trouvé où? Et ça veut dire quoi? C'est son papa qui l'a fabriqué? Non, la terre est à Dieu. Amen. Frère, ma soeur, ouvrez vos yeux. Quand même, quelque part, oui, il y a une logique ici. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, toi, monsieur, là, tu es en train de vouloir raconter des histoires. Mais en fait, mais toi, raconte-moi d'abord d'où vient la Belgique. Oh, en 1830, effectivement. Bon, avant 1830, il était. C'est vrai, non? Et avant même qu'on aille dans les gens, avant l'année zéro, c'était où d'abord? C'est vrai, non? Parce que quand on a commencé à compter, ça va dire à partir de la naissance du Seigneur, non? Vous avez compris? Bon, il a dit lui-même, il dit, mais la terre et les cieux, tout m'appartient. Je suis le propriétaire. Donc, on ne peut pas me dire, ah, oh, moi, je suis belge, c'est mon pays, c'est ma terre. Je suis, je ne sais pas, congolais, c'est mon pays, c'est ma terre. Je suis chinois, c'est mon pays, c'est ma terre. Non. On nous a. On n'a pas trouvé un endroit où on a ces maillots. Alors, ça fait que nous sommes des locataires temporaires. Mm-hmm.
la vérité. Bien sûr, mon précieux frère. C'est 100% vrai. C'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi. D'ailleurs, on dit, bon, oh, c'est chez nous, maintenant on va, comme chez nous en Belgique, comme chez nous en Europe, on va bien protéger notre intérêt pour manger notre bonne pomme de terre. Pas de problème. Les Syriens ont dit, attendez. Les Irakiens ont dit, attendez. Vous avez mis des forteresses. Eh bien, montez les forteresses, il n'y a pas. On bâtit les forteresses. L'Europe, Schengen, protégé. Avant de rentrer, 155 papiers de bois qu'on fait. À l'attestation d'hébergement, où je suis pris en charge, il faut prouver la nourriture, il faut prouver. Les Syriens ont dit, ok, pas de problème. Alors ils sont venus, sans invitation, vous voyez, non? Sans la prise en charge, sans la lettre d'hébergement, pouf, ils sont rentrés. C'est vrai! Vous les avez regardés, ils sont arrivés, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Vous les hébergez? Vous les nourrissez? Et ils sont là. Je suis incertain. Quelques années après, on vient, bon, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est chez moi. La Belgique, c'est chez moi. Avant, il était où? En Syrie. C'était chez lui. Et maintenant, il vient ici. Donc, cette notion-là, il faut que nous comprenions quelque chose. Alors, nous devons prier en disant, Seigneur, tout appartient. Mon frère, ma soeur, c'est donne tellement à toi et mon bien-aimé Seigneur, tu connais l'amour des enfants. Tu es capable de pouvoir changer les circonstances. Amen. Frère, vous ne croyez pas, mais vous ne pouvez pas réaliser la puissance de la prière. Amen. La foi dans la prière que vous adressez à Dieu. Un seul homme seulement a fait que les cieux soient fermés pendant 3 ans et demi. Un homme. Un homme. Et puis il te dit encore, ben, si moi je ne dis rien, le ciel ne va pas s'ouvrir. Amen. Vous jouez, vous considérez autorité ce qui n'est pas autorité. C'est l'autorité, quand je vais, il va me donner. Mais non, il y a une autorité au-dessus. Amen. La vraie autorité, elle est là. Amen. Ah oui, c'est la vérité. Quelques temps après avoir prié et pour la grâce du Seigneur, qu'est-ce que nous avons attendu? Parce que à l'époque même, les étrangers n'avait pas le droit d'aller s'inscrire dans n'importe quelle commune. Hein. Mmh. On regardait ça, vous n'avez pas connu. Ça, c'était un gros dragonien. Mmh. Donc, on regardait, par exemple, telle commune a atteint un quota de 5%. Tu vas t'inscrire là-bas. Non, on te refuse. Va chercher notre commune. Mmh. Ah oui. Donc, c'est encore plus dur. Alors, quand on a prié, on est prêt à la grâce du Seigneur. Quelques temps après, qu'est-ce qu'on a entendu comme mesure? Tous ceux qui sont sur le territoire, même s'ils n'ont pas eu un bout de papier, au moins même un fils qu'une facture ou bien un truc d'électricité qui était quelque part, pour moi simplement qu'ils étaient sur le territoire, qu'ils viennent régulariser. C'est comme cela que la régularisation est entrée. Donc on demande, même si ce n'est pas le passeport, mais au moins un papier qui montre que tu es, et que tu as été ici, et que quelque part, va. Il y en a des gens qui avaient peur, j'ai dit, frère, c'est l'occasion. Amen. J'avais encore une sœur là-bas, c'est vrai, je sais que je veux dire la vérité. Oh mais je comprends, mais c'était un piège, ce n'est pas un piège. Allez-y, simplement, on a prié, non? Amen. C'est comme ça, quand Dieu a compris, on commence à dire, est-ce que c'est vrai? Mais c'est la vérité. Amen. Allez-y là-bas, prenez les papiers. Et ceux qui sont partis ont eu leurs papiers. Donc, Dieu, quand il agit, certainement, il fait la chose. Et c'est à nous de pouvoir réaliser que c'est Dieu est capable. Et quand ils ont traversé, il a tout englouti, effectivement, de manière à ce que Israël, maintenant, ses yeux, ses sentiments, la peur est allée, tout ce qu'il est maintenant, soit tourné vers qui? Vers Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il aime qu'on aime que lui. Il aime qu'on s'occupe que de lui. Il a droit. Parce qu'il nous a créés pour cela. Il a approuvé effectivement que maintenant, comme là-bas en Égypte, il fallait la soupe, on te tapait pour te donner un petit peu de soupe là-bas, la ration, et vous prévoyez. Il dit, mais ici maintenant, si vous ne vous occupez que de moi, est-ce que vous entendez? Bon, d'abord, premièrement, je vous ai libéré de tout. Maintenant, le penser au pharaon va venir, il n'y a plus de fouet. Si vous ne vous occupez que de moi, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je m'occuperai de vous. Amen. C'est pourquoi, pendant 40 ans, il dit, mais ils virent, mes soeurs. Frère, elle amène fort. Amen. Il dit, pendant 40 ans, il dit, vous avez marché avec les mêmes chaussures. Amen. Frère, non, Dieu est tout puissant. Amen.
Il dit, même au niveau des vêtements, j'ai dit, je veux prendre soin de vous. Amen. Je suis le Dieu. Amen. Je montre que je suis le Créateur. Amen. Il dit, ne vous souciez pas, je prends soin. Amen. Alors vous simplement pensez à moi. Amen. Servez simplement moi. Amen. Chantez-moi. Amen. Glorifiez-moi. Amen. Aimez-moi. Alors moi, je prends soin de vous. Amen. Et la chaussure de votre santé. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a guéri de toutes tes maladies. Alors toi loue-moi, toi chante-moi, toi serre-moi. Je prends soin de toi et de ta postérité. Alléluia. Alléluia. Merci souvent. Nous voulons te dire encore merci. On l'embrasse et on grâce à Dieu. Oh, tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es réellement le merveilleux Seigneur. Comment ne pas t'aimer, mon sauveur? Je ne veux plus perdre mon temps dans les champs de ce monde, mon roi. Louange, honneur et gloire à toi. Seigneur, j'ai honoré ce qu'il ne fallait pas honorer, mon roi. J'ai donné du temps ce qu'il ne fallait pas donner du temps, mon père. J'ai servi ce qu'il ne fallait pas servir, mon Dieu. Alléluia! Accorde-moi la grâce. Tu es vraiment le parfait, tu l'as prouvé. Tu l'as démontré, Père. Ta paternité, Seigneur.
Oh,
Seigneur,
puissance que nous avons dans le cœur qui te désire. Oh, souviens-toi, mon roi, des larmes qui te désirent. Oh, Père, je t'en supplie pour toi. Tu es le Dieu qui travaille pour mes patrices. Oh, Dieu, ta parole est pénétrante pour moi. Je te loue et te remercie. Oh bien, nous sommes heureux, Père, de réaliser tant de la grâce que tu nous as pour les mêmes patrices. Oh Dieu du ciel, c'est comme un flot pour les mêmes patrices. C'est comme un flot pour les mêmes pères, oh Dieu. La peau de la grâce, pour cela pénètre le cœur, Père. La peau de la grâce pour moi. Oh Dieu, que le cœur soit vraiment libéré, Père. Rempli de toi, mon béni, mes pères, parce que c'est devant toi que nous nous tenons, mon maître béni. Je te remercie encore, Père. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu précieux, Père Saint. Oh, ta puissance n'a pas de limite pour moi et n'a pas changé, mon maître béni, Père. Oh Dieu, aujourd'hui encore, tu remplis encore le cœur, mon béni, mes pères. Aujourd'hui encore, tu accordes encore la grâce, mon béni, mes pères. Oh, que le cœur qui soit devant ta table, Père, Dieu soit aussi. Mais dans le cœur, tu accordes grâce devant ta face, Père. Loué soit ton Seigneur. Merci, mon Père Saint. Gloire à toi encore ce matin. Béni sois-tu encore notre Dieu. Moi qui éclaire et qui, au lieu encore de moi, je te remercie vraiment, Père. Et je rends gloire à toi. Mon frère et pour ma soeur, ce cœur qui se donne vraiment sincèrement à toi, Père, et qui est vraiment sincère. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Comme Abraham, c'est un homme pour venir et ne passe pas. Seigneur, c'est pour ça que vous passez par ici, mais il y a une occasion à tous les serviteurs de te servir, oh Dieu. Et ce matin, fais de même aussi, Père, à cause de ton nom, mon béni, mon Père, accorde-nous encore la grâce. Pour te recevoir, Père. Pour aussi t'avoir dans notre maison, dans notre demeure, Père, Vissant, de pouvoir également t'offrir encore le meilleur que tu dois recevoir, mes bénis, personnes. Oh, à cause de ton nom et de nos pères, Abraham est ainsi. Nous sommes la possédée d'Abraham, notre Dieu. Seigneur, bénis-nous. Souviens-toi de nous encore, mon roi. Nous implorons ta grâce. Béni sois-tu encore ce matin, cet après-midi, Père, pour ton amour et tes grandes compassions. Louange à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Dieu est un Dieu puissant. Et vous le connaissez? Amen. Vous le chanter? Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Saint-Dieu. Thank you.
venir, mon Père. Tu n'as pas regardé à l'état où il est par puissance. Tu as accepté l'inhumilité, mon sang, mon béni, Père. Tu as accepté le fouet, mon Père. Tu as accepté d'être rejeté, même par cela que tu aimais, qui m'a aimé, Père Saint, auquel tu as donné ta puissance plus que toi-même, Père Saint. Seigneur, tu as été rejeté par tout cela avec lequel tu es venu pour nous, Père. Je te remercie encore ce matin. Je te loue par rapport à mon âme de nous encore ce matin, Père. Par rapport à quoi je vais te lever le temps qu'il faut dans ma vie, Seigneur. Mon âme de la connaissance est devenue. Tu es digne d'être adoré. Là qui d'autre ne pouvait aller encore aujourd'hui, mon Seigneur. Oh, pourquoi ne pas te lever, mon Seigneur. Béni soit-il encore, mon Seigneur. Que je puisse avoir accès au ciel, mon béni, mon Père puissant. Et que sur la terre, mon béni, mon Père puissant, malgré les épreuves, malgré les souffrances, je puisse être de nouveau heureux, mon béni, mon Père puissant. Et que mon frère soit heureux, que ma soeur soit heureuse, Seigneur. Oh, louange, mon Père, à toi, Père. Béni sois-tu, mon Dieu. D'avoir vaincu, mon béni, mon Père, Seigneur, le sauveur. Parce que ta victoire, je la possède à notre Dieu. Ta victoire, nous la possédons. Et les mains peuvent s'agiter pour moi, mais tu nous as donné la victoire au notre Dieu. Nous te remercions pour ce moment. Ouvre nos yeux, ouvre encore nos cœurs pour moi, que nous puissions saisir encore davantage, mon Père, ce que tu as fait de nous, mon maître béni, Père. Oh Dieu, Seigneur, pour lesquels sur ma tête, afin de nous sommes là, pour te louer, mon bénévole des saints, pour te dire encore combien nous t'aimons. Merci aussi pour la délivrance pour savoir. Merci encore pour la guérison. Merci également aussi pour tout, Père. Oh, parce que tu as toujours pourvu pour moi. Rien ne nous a jamais manqué, Père. La maladie peut frapper, mais nous savons que tu es notre guérison. Louange et honneur plaire à toi, Père. Tu as toujours pourvu pour nous, Père. Nous te remercions encore, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci encore aujourd'hui, Père. Et encore nous la grâce de pouvoir bénir encore davantage, mon Dieu. Oui, maître béni, Père, de pouvoir te servir encore davantage pour pouvoir te sortir effectivement de ce que nous sommes, bénévole, mon Dieu. D'être plein en toi, d'être droit en toi, dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme aussi, bénévole de l'Esprit, Seigneur. Nous implorons ta grâce encore aujourd'hui, Père. Parce que si toi tu es voilà, mon bénévole, Père de l'Esprit, tous ces cieux du néant, mais nous savons que tu es vivant, que tu es vraiment présent, mon bénévole, Père Saint. À cause de ton nom, à cause de ton nom, mon bien-aimé Seigneur, accorde la grâce à mon frère, accorde la grâce aussi à ma soeur, mon roi, accorde aussi la délivrance de Dieu à chacun de nos pères. Nous te voulons totalement, mon bien-aimé Dieu. Oh Dieu, toi, c'est notre Dieu, mon bien-aimé Dieu. Nous te désirons, Père, en le contrôle encore davantage, mon roi, et agis, Oh, Dieu, tu es la paix, tu es la paix,
Seigneur, dans la prière,
Souviens-toi de nous, Seigneur, nous te désirons de tout notre cœur, de toute notre âme. Ils étaient tellement dans la joie quand tu étais avec eux. Alléluia, tu es le même Dieu, Seigneur. Nous aussi, nous aimons ta présence, nous aimons quand tu es là, Seigneur. Tu fais tellement du bien notre âme. Alléluia, soutiens-nous, nous te glorifions. Oh, merci Seigneur, descends, viens, ne t'envoie pas Seigneur, mais nous te désirons Seigneur. Alléluia, viens délivrer. Alléluia, parce que toi tu es Dieu de délivrance. Alléluia, tu as dit je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Oh, nous aimons tellement ce consolateur, il nous fait du bien. Alléluia, merci Seigneur, nous te louons. Merci pour ta parole, merci pour tout, merci. Alléluia, oh merci que tu nous aimes Seigneur Jésus, pour les temps qui sont si mauvais, Père. Alléluia, merci. Je t'aime.